Et bien c'est tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas les amis à mettre un maximum de pouces bleus pour essayer. On va essayer d'atteindre les 20 000 abonnés avant la fin de cette année, ce serait vraiment excellent. Donc n'hésitez pas à faire monter cette chaîne, à lâcher un commentaire tout simplement et à lâcher votre plus gros pouce bleu. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc on commence directement avec une nouvelle animation, comme vous pouvez le voir. Je vais créer un nouveau monde juste ici, donc j'ai enregistré ça à l'avance et j'enregistre en voix off tout simplement. Donc on est sur la version ici de MCPE 1.2.14, donc on va tester la bêta iOS qui est sortie. Donc on met toujours les modes de d'habitude, et pour pouvoir accéder tout simplement à la bêta, il faudra, alors ici je teste un peu les réglages, il faudra utiliser comme vous le voyez là, le gameplay expérimental. Donc vous cochez cette option et vous aurez normalement le principe de bêta sur iOS, donc c'est vraiment absolument magnifique. Donc vous allez voir, je vais lancer le monde et directement on va tomber ici sur une forêt assez classique. Donc bien sûr je suis sur iOS sur mon iPhone 7 tout simplement. Donc je vais vous montrer ici, vous avez avec la mise à jour les nouvelles animations, et vous avez qu'ici j'ai le trident tout simplement. Alors pour le moment j'ai vu que ça, je ne sais pas si c'est avec les mises à jour futures qui vont arriver tout simplement, les autres avancées avec les tortues etc sur l'update marine tout simplement. Mais en tout cas avec la bêta là, on a juste pour le moment peut-être juste le trident, ou peut-être qu'on l'avait même juste avant la mise à jour, je ne sais pas. En tout cas vous devez utiliser le gameplay expérimental pour avoir l'accès à cette bêta, comme vous pouvez le voir. Et là je vais passer parce que là j'essaie de trouver les tortues mais il n'y a pas. Et donc là les amis, je vais juste essayer le trident un peu comme ça, taper un peu partout pour voir comment ça fonctionne, parce que j'ai jamais testé tout simplement la mise à jour sur tout ce qui est sous-marine etc, avec les nouvelles tortues etc. Donc là un peu je visite un peu, je vais essayer de tout simplement voler pour essayer de trouver un lac ou quelque chose du genre pour avoir les temples sous-marins. Peut-être qu'il y aurait ça tout simplement avec les nouveautés sous-marines. J'ai essayé de chercher ça et en tout cas je ne vais pas trouver, donc ça reste un peu encore fou flou ce système de gameplay expérimental. Je vous en dirai plus si jamais je trouve d'autres astuces de ce genre. Je vous dirai ça sur Twitter et encore une fois sur ma chaîne YouTube tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était iPodGamer, ciao.